Peggy 32. Ah salut, salut à toi qui verras cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Bon, alors cette vidéo, faut que je la fasse. Parce qu'elle est d'actualité. Elle est d'actualité et elle est brûlante. Alors, un de mes abonnés qui est abonné à la chaîne de EMB m'a envoyé la dernière vidéo qui vient de popper sur sa chaîne. Alors attends, je vais te donner le titre de la vidéo. C'est quand même assez humoristique. PS5 HS, attention, cette position peut tuer votre console. Et puis tu sais, t'as la main comme ça, puis t'as la console, une tête de mort, enfin tu vois. Alors déjà, la miniature est assez putaclic. Hein, voilà. Un EMB, lui avec ses miniatures putaclic et ses titres putaclic. Ah. Alors EMB, si tu vois ma vidéo, tu peux laisser un commentaire. Hein. Tiens, petite question pour toi. Petite question. T'es un influenceur? Tu vas dans les studios de Sony? T'es en contact avec Sony France? Un mec comme Big Pac-Man, moi, qui a zéro contact avec personne, qui soulevait déjà le problème du métal liquide il y a plus d'un an de ça, et que je disais que ça commençait à arriver tout simplement sur Twitter, que certains réparateurs montraient des choses assez humoristiques sur le métal liquide. C'est seulement maintenant que tu te réveilles. Moi, ça fait plus d'un an que je suis au courant de cette chose. Et comme là, par hasard, puisqu'il y a un mec qui tweet un truc et tu tombes dessus par hasard, parce que c'est par hasard, tu décides tout simplement, comme d'habitude, de faire une vidéo avec un titre putaclic et une miniature putaclic. Alors, dans le fond, tu as raison de soulever ce problème, puisque ce problème est déjà connu par les gens qui sont du milieu, c'est-à-dire les gens comme moi, et d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé. Mais moi, ce qui me fait rire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'un des premiers à en avoir parlé des problèmes du métal liquide, c'est Mebi, c'est Romu, c'est Big Pac-Man. Et aujourd'hui, parce que t'as des mecs qui publient sur Twitter des photos, tu t'amuses à faire une petite vidéo. « Hashtag Romain, la PlayStation, faut pas la mettre debout, faut la mettre couchée. » Mais il y a Bellorette que Romu le dit, qu'il y a des problèmes avec le métal liquide. Et que si le métal liquide rentre tout simplement en contact avec la carte mère, t'as 99% de chance, voire 100% de chance que ça fasse un court-circuit et que ça flingue ta PlayStation 5. Alors, quand je dis que la PlayStation 5 est une console fabriquée chez Wish, que tout le monde s'est foutu de ma gueule, il y a aussi le problème des premiers modèles où tu avais une puce de RAM qui n'était pas refroidie avec le système de refroidissement, qu'ils ont modifié ensuite. Hein. Dans les versions d'après, ça avait été corrigé. Et là, tu te réveilles juste maintenant. Parce que des mecs qui démontent des consoles montrent que le métal liquide, il coule. C'est seulement maintenant que tu te réveilles. La PlayStation 5, ça fait plus de 2 ans qu'elle est sortie. Seulement maintenant que tu te réveilles. Moi, ça fait plus d'un an que je l'ai dit. Hein. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier EMB. Hein, EMB, de se réveiller maintenant. EMB, est-ce que tu t'es réveillé quand certains abonnés qui ont acheté une PlayStation 5 se sont retrouvés en porte-à-faux avec Sony et le transporteur qui a niqué la console dans le transport et que Sony disait « Tu veux ta console, c'est 270 € pour réparer la console, sinon je garde la console. Tu payes, sinon tu te fais niquer. » En fin de compte, ils te réparent ta console, soi-disant qu'il est garanti, mais on essaye de te baiser. On t'a entendu sur ça ? Toi, EMB ou Julien dans sa chaise. Vous avez fait quoi, messieurs ? Parce que vous êtes en contact avec Sony. Pourquoi vous n'avez pas sorti vos boucliers, vos épées, vos destriers blancs pour tout simplement votre communauté ? Ah, on se mouille pas, hein ? Bah non, on se mouille pas. Le seul qui s'est mouillé, c'est Bibi. Hein ? Mais bon ! Voilà. Alors, j'adore EMB. Hashtag drama, la PlayStation 5, faut pas la mettre debout, elle va griller. Bah oui, mon ami. T'étais pas au courant. Ça s'appelle du métal liquide. Liquide, ça veut dire quoi? C'est liquide. Hein, tu vois? Et puis en plus, le pire, c'est que ce truc-là, c'est corrosif, mais un truc de mort. Truc de mort, hein. Ouais, hein. Alors tu sais, tiens, pour toi, EMB, toi, hein, qui sait rien. Des mecs ont démonté des PlayStation 5, ils ont viré le métal liquide, et ils ont mis de la pâte thermique, tu vois. Pâte thermique classique, ce qui est dans
c'est un ordinateur. Alors, à différence de chauffe, tu te roules par terre. Hein. C'est environ 2 degrés. 2 degrés de plus. Donc, c'est-à-dire que le métal liquide, ben, c'est juste du marketing. Hein. Tu sais, le métal liquide, tout de suite, ça se rapproche auprès du Terminator. Tu vois. Sauf que le Terminator, tu vois, il est là pour tuer le héros dans le film. Ben là, le Terminator, il termine ta PlayStation 5, alias ta PlayStation 5. Voilà. Alors, si vous voulez un conseil, si vous achetez une PlayStation 5, ne la mettez pas debout. Hein. Ne laissez jamais la console en repos, parce que la console, quand tu la mets en repos, hein, c'est-à-dire en mode veille, elle peut claquer, le disque peut cramer. Ne débranche jamais, mais jamais de jamais, jamais, le câble HDMI de ta console, parce que si tu le branches et que la console est sur tension, tu peux claquer la console aussi, ça ils te le disent pas, mais moi je te le dis, ne démonte jamais, 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 jamais le ventilateur, parce que les soudures sont faites à la what the fuck. Donc, en fin de compte, si tu veux pas être emmerdé avec une PlayStation 5, ne l'achète pas. Attends qu'il passe à la PlayStation 5.5++, toi. Comme ça, tu pourras l'acheter. Hein. Mais bon, on se roule par terre. Bon, allez, moi je te laisse, je te souhaite une bonne fin de journée. Hashtag drama, ne mettez pas votre PlayStation debout, elle va mourir. Ah bon? Juste que tu te réveilles, EMB? Eh ben, pour un mec, soi-disant, qui se dit « à la page, il n'y en a pas grand-chose. Hein. » Et puis tiens, une petite question bête aussi pour toi, monsieur EMB. On t'a pas vu parler du problème qu'il y a eu sur la console, que tous les streamers qui streamaient sur la console, qui passaient par une carte d'acquisition, ont relevé. Il y a environ 10 mois de ça, quand nos amis de chez Sony, ils ont fait la mise à jour de leur console, et que derrière, il y avait un signal dégradé au niveau du HDMI, quand tu passais par une carte d'acquisition, et qu'ils ont patché au bout de 3 jours. C'est bizarre, hein, t'as pas relevé le problème, hein. Ni ton ami Julien dans sa chaise, hein. Ouais, en fin de compte, vous savez ce que vous êtes. À la page. Ouais, à la page. De la dernière page. Allez, c'est bon. Ciao.